Tu vas me mettre en boîte. Ah, je vous amène en panne. Vraiment, pourquoi il y a panne? On va pas là, on va pas aller dans l'auto. Non, ça passe là, la semaine prochaine que tu vas opérer. J'attends d'abord que monsieur le sol. Yes, c'est un job, c'est là. Ça va maintenant. Jusqu'à ce moment-là, tu vas te devenir calme pour eux. Monsieur François Zébazé, ça dit quoi? Je suis avec mon vice-président, Monsieur Rostand, qui est au Cameroun, voilà. Merci à toi. Azébazé! Le père de l'autre, le père de Merveille. Les dieux de Milan. Ok, monsieur. Avec tu as bougé. Pas bougé. Tu as ce quoi là? Ah, le punjin alors. J'ai la machine de ça. Et mais je broie, tu comprends les fibres de ça. Eh ben les affaires que les gens vont te mettre, ils ont mélangé, ils ont séché, ils ont mal conservé. Non, oh, c'est une bonne voiture. J'ai jamais vu quelqu'un comme toi là toujours dans une voiture. Et, mais c'est pas toi là-bas. Donc tu as amené ça. On ne voit même pas les gens, on ne voit même pas les gens en ligne. C'est qui est sûr que le crédit est là fini. Voilà. Donc voilà, je vous présente le vice-président de Banga Diaspora. Le bras fort de Banga Diaspora, voilà. Le voilà en personne. Il s'appelle Rostand. Donc il fait aussi dans le cargo. Donc si tu as les bagages. Pour envoyer au Cameroun. Pour envoyer au Cameroun. Paris, Italie, Cameroun. Tu es la bienvenue. Voilà. Et que tu vas recevoir au Cameroun comme tu as envoyé. Il n'abuse pas. Voilà. Là, on est venu pour les vins. Donc, bientôt, il faut aussi les vins. Il faut aussi les vins. Bientôt, voilà ça. Bientôt, il va ouvrir une cave. Là où ouais. Tu viens, tu t'assois, on te donne seulement un prix. Tu bois du vin, mais après, tu pars. Je ne vois pas les gens qui sont connectés, je ne sais pas. J'ai mal touché le truc là. J'ai mal touché. Qu'est-ce que j'ai même touché là? Ah, ma fille Sonia. Eh, hey, c'est ta mère. Là, c'est ma mère. Ah bon? Ah, ma fille Sonia. Ah. Là, c'est ma fille, c'est ma mère ici là. Ah. Sonia. Et ouais, mes deux mères. Non, là, je suis nommé sur. Oui, c'est. Elle a peur de parler à Facebook. Elle est universitaire aujourd'hui, hein. C'est à cause de vous comme ça que les gens prennent la place, elles parlent, oui, parce que vous ne pouvez pas parler. L'école ne vous sert à rien. Elle est en troisième année, elle fait la licence. Elle fait troisième année licence, mais elle a peur de parler. Elle est même quand elle est à la même place. Et demain matin, tu vas dire que non, la fille s'y parle, elle a quoi? Mais c'est parce que tu as laissé qu'elle commence à parler. Elle est à ta place. Et si tu commences à raisonner quelqu'un, elle va fuir. Avec ce que tu as appris à l'école. Et c'est à cause de vous que le Cameroun n'avance pas. Voilà. Elles sont dans la même place. Troisième année universitaire. Mais vous ne parlez pas. Ah. Mais quand on vient, on vous trouve que vous êtes sur les directs. Les femmes qui n'ont ni enfants, ni école, rang social, rien, sans direct, travail, elles parlent du piment. Mais vous les laissez. Alors que toi, si tu commences à parler, elle va se calmer. Oui. Tu peux bien parler français. Attends, mais tu peux parler tout ce qu'elle parle là plus qu'elle. Même le petit, tu peux parler plus qu'elle. Tu n'es pas une fille de Banga. Parce qu'elle parle le franc anglais. Tu peux parler de temps en temps. On t'habite finance. Quoi? Licence comptabilité finance. Donc, vous avez donne ton numéro. 06 64 95 06. Bon, attends. 06 64. Attends. Plus 33. Oui. 6
64 95 25 81 82. Le prochain chargement c'est fin avril. Le prochain chargement c'est fin avril à Paris. À Paris. Le prochain chargement, peut-être que je retourne dans le prochain départ des courriers, c'est fin avril. Voilà son numéro. +33 66 49 52 51 06 64 95 25 81. Ouais, 81 8 25 81. Oui, c'est ça. Voilà, ça j'épingle. On a l'aise, on n'a pas de problème. Voilà. On prend notre jus de canne. Et on avait nos deux assistants. Voilà. Si vous ne parlez pas, n'importe qui va venir parler à votre place. Vous devez parler. Parce que vous êtes jeune et vous êtes belle. Voilà. Vous pouvez parler et les gens vous écoutent. Parce que vous avez l'énergie. L'énergie, c'est tout. C'est vous. Physiquement, moralement. Vous êtes l'avenir, mais vous ne parlez pas. Et demain, vous allez dire que telle va parler à ma place. Mais elle doit parler. Voilà, même là. Je dis que souvent, quand tu fais les cigarettes, c'est elle qui doit venir parler pour dire. Elle se cache. Que tu ignores que c'est là où tu vas trouver un vrai gars qui t'aime. Oui. Mais tu vas voir, peut-être c'est un basculin qui t'embrouille. Oui. Alors que tu as le charisme. On ne dit pas que le basculin c'est une mauvaise personne. Oui. Non. C'est un faux gars peut t'embrouiller. Oui. Quand il est venu comme ça là. Alors tu dois étudier les, quand tu vas parler. On appelle ça là, le marketing, la communication. Tu vois non? Ouais. Tu dois parler. Tu vas venir pour faire un combat vous là. Voilà. Pourquoi on fait le business, c'est pour parler. Quoi de rude? Aujourd'hui, si tu mets avec mon enfant qui a 3 ans, il parle. Quoi, tu parles avec moi, si tu crois que c'est mon ami. Il te dit, mais tu te dis, il va un beau jour. Tu vas être là comme ça. Là. Non. La vie, c'est la communication. Ouais. Et tu dois t'imposer dans ce que tu veux. Monsieur Pungwe, monsieur Pungwe. Ouais, ok, petit frère, petit frère Pungwe. C'est qui Pungwe? Pungwe, mais c'est ton petit nom. Ah, ouais, ouais. Il a dit que c'est lui que tu causais avec lui chez moi l'autre jour là. Ah! Le petit de Mara là. Il a dit que tu avais radié le mariage à soi. Mais attends, est-ce qu'elle est radiée? C'est mon petit. Hein? Il ne voulait pas être en règle. Il va participer. Il m'a dit qu'il a radié le mariage à soi. C'est mon petit, hein? Non, mais c'est mon petit. Ce sont mes petits frères. Ils sont tous là. Même surtout lui là, c'est mon bon petit. Hein? Mais c'est quand même de la vie. Quand tu es en position de faiblesse, au lieu d'accepter, tu vas amener le rythme bizarre. Que, oh non, tu poses des questions inutiles. Maintenant, c'est qu'il est celui qui est en règle. Il a les kaolo. Non, c'est vraiment petit. Voilà. Sa femme vient d'accoucher. Voilà, tu vois. Petit frère, ta femme vient d'accoucher. Quand tu as la bénédiction, partage avec les autres. Sinon, le malheur risque de toquer à ta porte. Donc, quand la vie te bénit, pense à tes grands frères. Voilà. Si Mbanga n'avait pas Boza, est-ce que tu n'as pas Boza? Donc, petit frère, pense à moi. Et il est bien maintenant, il est souillé, il a retrouvé la joie. Voilà, tu vois. Il n'est plus aigri. Non. Voilà. Tu sais, la pauvreté rend aigri. Mais quand ta vie donne, tu as tes petits moyens, tu vis bien le travail, tu as les papiers. Tu n'en vis plus les autres. Bah quand tu n'as pas les papiers, tu as les problèmes, tu as faim, tu crois que c'est les autres qui sont les causes de tes malheurs. Pour rien même, pour rien tu deviens sorcier. Tu crois que c'est les autres qui t'appellent d'évoluer. Quand tu as souci, c'est la faute des autres. Voilà. Non, le petit est là, il est bien maintenant. Ah oui. Il va me dire non, qu'il faut qu'il te voit, il va t'appeler, il va poser avec toi. Mais attends, mais c'est mon petit non. Il avait la moto à l'époque comme ça. C'est mon bon petit, le problème. Il y a un collègue qui est en Banga. Ils ont dit que vous avez laissé Banga Diaspora, vous avez fui. Ils sont plus en France. On a au moins. Banga Diaspora, c'est notre mouvement, les petits. Venons faire que ça devienne grand. Oui. Pour que demain, non, quand tu as ton activité, bon, voilà notre frère. Il a porté deux conteneurs. Voilà, deux conteneurs. Un conteneur pour lui et maintenant ceux-là qui font le groupage, les clients. Dans quelques jours, je vais faire le direct. Tu vas voir comment ramasser, comment on ramasse souvent là. C'est ça la force. Nous devons avoir une plateforme pour nous. Là où tu ne payes pas gratuitement. Et dis quoi? On te récompense par rapport à ce que par moment tu apportes pour la ville. La ville, oui. Et dans. Je lui dis, si quand je trouve les vélos pour l'hôpital. Voilà. Voilà. Les gardes toujours pour l'hôpital. Voilà. Les habits pour l'hôpital. Voilà. Voilà. Je leur ai dit qu'on est en train de vouloir ouvrir un truc en Bahrain comme la bibliothèque. La bibliothèque et un truc des habits comme la croix rouge. La croix rouge. Vous faites les dons. Les dons des vêtements. Voilà. On met les habits à 200, 100 francs. Tout le monde vient de savoir, il se sait. Voilà. Il paye ses habits. Voilà. On va faire un truc comme ça en Bahrain. Voilà.
Donc, je vais dire tout le temps que n'oubliez pas de vous mener. Sinon, vous serez maudit. Voilà. Bon, là, voilà, il fait les dons chaque jour. Est-ce qu'il a chuté? Il a bonne mine, non? Ah, mais dis-moi pourquoi il fait les dons. Non, il doit faire les dons. Fais les dons là où tu viens. Et précipite-toi aussi un truc, c'est qu'ils ont un problème avec ta personne. Voilà, mais ils oublient que. Beaucoup de gens. Un problème à ma personne. Ils se disent que. Oh. Pourquoi le monsieur là, vous le suivez? C'est que non. Si quelqu'un ne regardez pas la personne, regardez les actes. Est-ce que ce qu'il fait. Est bien. Ne regardez pas la personne. Ah, c'est ça le problème de nos frères de parents, la majorité. Non, beaucoup oublient qu'ils sont dehors à cause de moi. Je dis ce qui choque. Petit frère, qu'est-ce que tu fais là-bas? Pourquoi tu joues aux cartes? Petit imbécile, lève-toi, va te battre. Comme la carte passe, on lui parle que petit frère, tu dois te plaindre. Elle est lancée, non? Oui. Elle est un teint noir. Oui. Petite soeur, tu dois pas épouser un gars pauvre. Tu amènes la pauvreté, on te chasse de la maison. C'est clair, oui. Tu as fréquenté. Tu as un teint noir ciré. Mm-hmm. T'as vu quoi? Tu dois amener un bon gars. Quand tu nous dis ça, le grand si, il me frustre. Oui. Mais la marche que vous avez, c'est que je suis toujours en vogue. Je ne suis pas démodé. Moi, ça veut dire que je suis même tout plus haut que vous. Parfois, il me fâche les plaquettes de chocolat. Donc moi, je suis devant un exemple. Donc quand il dit ça, ça énerve les gens. Mais au lieu, et ils reconnaissent. Hein, parce que les mêmes personnes likent mes vidéos ailleurs. Tu vois, non? Les mêmes personnes commentent mes vidéos. Que non, c'est mon grand de Mbanga, c'est mon grand. Mais tu commentes mes vidéos ailleurs. Mais sur ma page, tu es un peu la personne. Non. Oui, non, c'est sale. Je te dis que... Reconnaissez que ce que vous êtes là, c'est à cause de moi aussi. Beaucoup, quand je te dis d'Mbanga, que je suis venu dire que non, je suis Mbanga, que ça soit pour les faire. Pas du projet de l'association, ils ont dit non. Le gars qui est là, il dit que non, c'est pas. Attends, au départ, ils ont dit que je suis un escroc. Oui. Bon, j'ai volé à quelqu'un. Non. Voilà. Bah, attends, il n'y a rien de beau que on fait quelque chose, je mets plus mon argent. Oui. Il faut, dans tout mouvement, il faut un leader. Et c'est ça que les gens comprennent. Attends. Pas. Il faut un leader. L'autre jour, voilà un enfant bah, qui arrive à l'aéroport, on l'a pris. On l'a rapatrié de l'Algérie. Il avait 12 000 euros sur lui. Il m'appelle à 2h. Hein? J'arrive à l'aéroport. On veut les menacer. Il dit que non, ça ne se passe pas comme ça là. On a fait jusqu'à le petit est sorti de là-bas. Bon, qui tu vas appeler au Cameroun là? Avec le monsieur qui est dû au Cameroun là. Un gars va te dire que mon ami, tu veux que je parle au marais? Moi, je suis que choc. Tu vas chercher ma localité. Attends, moi j'arrive là, on ne me fait rien. Pas la faute d'un leader. C'est ça que j'ai dit. Ah, faut un leader. Parce qu'on ne soutient pas les leaders. C'est un don, c'est pas tout le monde qui est leader. Non. Il faut un leader qui suit les gens vers le haut. Vous voulez les leaders qui ont peur? Non, oui. Mais... Voilà mon frère qui est venu là, il arrive au Cameroun. On me le fait le chantage, on le quota. Ah bon? Si je sens qu'il a raison, même si c'est à la présidence, moi je vais partir entrer. Est-ce que tu peux faire ça? Non. Il va mourir de plus pour sa propre mort. Tu vas dire que ouais, je ne peux pas mourir pour moi seul. Mon combat n'est pas individuel. Les gens ont cru au départ que non, ils veulent faire ça pour lui seul. Non! Regarde aujourd'hui quand tu as créé le mouvement de Mbanga Diaspora, il y a un groupe Diaspora qui a créé le mouvement. Voilà. Et c'est à cause de moi. On a envoyé les colis des gens de Roussel. Djombe Pendia. Djombe Diaspora d'Elie. Djombe Diaspora qu'on a envoyé. Voilà déjà Djombe Diaspora. Le président, c'est mon ami. Il a envoyé les lits. Oui. Pour, dans son conteneur. Oui. Djombe Diaspora. Djombe Diaspora. Non. Et tu es content parce que je te dis non. Le moment, si ça s'étend partout et que la diaspora fait en Djombe, à Luma, à Sousa, à Consamba, à Mandjo, à Bafa, partout, c'est ça qui fait la fierté, ça fait le développement. C'est ça qu'on appelle la diaspora qui vient. Non, attends, je ne comprends pas. Il y a les gens qui viennent à la jalousie. Mon ami, la chance que j'ai eu dans ma vie, c'est que je ne suis pas jaloux de quelqu'un. D'abord, je vends le jus de canne au Carrefour. Imaginez. Je ne suis pas un mendiant, mais je vends les jus de canne dans la poussière. Donc voilà. Regardez. Alors que j'ai une grosse voiture, alors que j'ai une Mercedes, une ML. Attendez, vous êtes humble plus que moi là. Non. Et c'est le jour que je vais mourir que vous allez vous rendre compte que le grand est parti. Qui va encore parler pour nous? Il faut être vaillant. Qui va encore parler pour nous? Je devrais acheter la voiture. Mais oui. Qui va encore parler pour nous? Quand tu veux faire les affaires, il faut être dur. Vous êtes nombreux là. Vous venez au Cameroun, vous avez les problèmes. Grand frère, j'ai les problèmes. Les doyens m'ont arrêté. Ah bon. Tu comprends, non?
Donc, c'est un peu ça, souvenir. Non, le petit l'a compris, lui-même, je l'ai parlé là, il s'est rangé. Non, petit frère, je dois répondre à certaines personnes. Un membre de la vie, un leader doit parler, parce que bientôt, je ne parlerai plus. D'ici quelques temps, je ne parle plus. Tant pis pour les petits frères qui vont venir, ils viennent. Mais ce qui est sûr, c'est que tu dois chercher à apprendre. Et bientôt, tu ne me verras plus. Soit je serai dans mon, soit je serai quelque part bien caché, calme, je ne parle plus. C'est comme ça. On est en famille, on est en famille. Je vous présente le vice-président de Banga Diaspora. Attends, tu sais, un leader, un mauvais leader, c'est celui qui escroque les gens. Hein? Il est zélé. L'autre jour, en Banga, je suis en train de boire mon vin. Il y a une mère d'un enfant de Mbanga qui a boycotté Mbanga Diaspora. Elle était malade. Hein? Hein? Mais le petit a l'audace de m'appeler. Que grand frère, ma mère est malade à l'hôpital, il faut qu'on l'opère. Vraiment, je n'ai pas l'argent. Le doc, attends, c'est un professeur. Il est professeur à l'université. Il m'appelle, mais il Mbanga Diaspora, grand frère, président. Est-ce qu'on peut le docteur de l'hôpital. Il dit, président, est-ce qu'on peut c'est parce que c'est lui qui. Voilà. Le docteur t'appelle. Banga Diaspora, c'est on fait une force à l'hôpital. Voilà. J'ai dit que le petit là, quand il m'a donné le nom du petit là, il a voulu jeter le petit, mais il a dit que comme c'est la maladie, non la maladie, là, le petit est revenu au nouveau sentiment. Il m'a appelé après, il m'a dit que grand frère, excuse-moi, j'ai son voice. Il a envoyé un voice quelque part, m'a envoyé ça pour saboter Banga Diaspora. Que c'est l'escroquerie. Que c'est l'escroquerie. J'ai escroqué qui alors. Il voit que beaucoup de gens de Banga Diaspora, ils mettent leurs moyens pour que ça marche. Au contraire, je prends les moyens de mes fans, mes followers qui me suivent par rapport à mes prises de position. J'apporte dans Banga Diaspora. À l'anniversaire de Banga Diaspora l'autre jour, on a récolté presque 500 000. Les followers seulement. J'ai vu même le jour du à l'école anglophone en Banga là. Voilà. C'est les followers. Je pourrais prendre ça et manger moi seul. Continue à perdre le temps. Tant pis pour vous. Hein. Enfin, je suis dans l'international. Voilà, tant pis. Voilà. Je suis dans l'international. Il y a des petits frères que pour s'en sortir, il faut vivre en groupe, en communauté. Tout seul, tu ne peux pas arriver. Il faut être en communauté pour avoir une grosse force. Mais comme chez nous, c'est trop, on aime se combattre pour rien. On se combat pour rien. Parce que je vois pas ce que tu fais la concurrence avec un autre. Chacun a son don, chacun a sa réussite, chacun a son plan de vie. Mais, comme on dit que non, ça c'est la tête de M. Wamen qui est là. Non, il est. Non. Est-ce que je ne suis pas charismatique? Je suis charismatique, non? Un leader, c'est celui-là qui peut lutter pour ta cause. Oui, lutter pour un peuple. Un leader n'est pas seulement là pour représenter que je suis le président. Le président, non. Celui qui un leader, c'est celui qui peut partager sa chose avec quelqu'un qui n'a pas. Mais oui. Voilà le fils du commissaire là qui arrive dans quelques jours. Il m'a dit, grand frère, cherche une voiture. Il dit, petit frère, te donne ma voiture. C'est un risque. Il n'a pas fait l'accident avec. Hein? C'est un leader. Il arrête. Parfois, les gens sont jaloux pour rien. Et si j'avais voulu faire Banga Diaspora comme les autres, ce qu'on n'est pas au niveau aussi là. Vrai. Les gens sont fâchés. Que pourquoi tu as mis les petits dedans? En réalité, les gens veulent dire que non, mais c'est au niveau des grands. Mais j'ai réduit, mettre tout le monde dedans. Même les petits frères qui sont au Maroc, même les petits frères qui sont en Algérie, même les sans-papiers, tout le monde. Mais les petits profitent de ça pour manquer le respect. Alors, vous voulez quoi? Attends, aujourd'hui, c'est Banga Diaspora. Et au fond, comme la première association de Diaspora de l'extérieur. Après la pilote de Mbanga, dites-moi, qui donne le ton? Même seulement pour le combat que je mène, vous devez me respecter. Voilà, et valorisez-moi quand je suis vivant. Ils te combattent plutôt. Vous me combattez plutôt. Valorisez-moi quand je suis vivant. Parce qu'aujourd'hui, votre grand frère Mbanga Diaspora, l'association qui fait des choses maintenant, le leader, c'est quelqu'un qui est interplanétaire. Si je veux, j'abandonne Banga Diaspora. Je crée ma chose seul. Même seul, je m'en sors. Parce que je,
Je me rends compte que je valorise Mbanga. La communauté. Vous me combattez. Boycotter, c'est combattre. Oui, boycotter, c'est combattre. Ne pas adhérer, ne pas assister, ne pas participer. Vous pouvez dire que tu boycottes. Ça veut dire que c'est des opposants. Voilà. Parce que là, c'est le boycott. Et c'est pour bientôt. Bientôt, j'abandonne. Je vais les laisser avec. Ils continuent, ça le regarde. Dieu, je dis qu'à Mbanga, seulement dans la communauté en France, déjà, à Paris, au moins, c'est 100 gars de Mbanga là-bas. 100 gars seulement. En Mbanga. Je dis au minimum que je connais. Mais mon frère, 100 gars. Attends, mais tout la mobile c'est Mbanga, non, man? Il dit ce que je connais, il y a au moins 100. Mais dis-toi qu'en adhésion là-bas, il n'y a pas 10. Il dit ce que moi, les personnes dont moi je connais, il y a au moins 100 personnes que je connais. Les gens aiment que je leur dis que, gars, mais nous on a des au projet, c'est un tout collectif. Il s'appelle Rostan. Oui, non. Oh. Il s'appelle Rostan. Oh là, les fougueries là. Ma chérie dit non. Aujourd'hui, nous, on se mouille pour ça, on retire de nos fonds, on ne gagne rien dans ça. Mais c'est pour aider les gens. Et il faut faire des dons. Il faut aider, il faut donner. L'autre jour, il a envoyé 2500 paires de gants et presque 300 masques. C'est la bénédiction, hein, mon frère. Demain, sa vie va avancer. Pas parce que j'ai trop. Non. Pas parce que j'ai pas les gens qui souffrent dans ma famille. Non. Il faut faire des dons. Ah oui. Voilà. Même les blancs, c'est les meilleurs donateurs. Hein, qui t'ont plus que les blancs? Les meilleurs ONG. Merde. C'est les blancs, non? Oui. C'est les grands donateurs. Quelqu'un donne son rein pour rien. Oui. Il a écrit. Les gens croient que chez nous sommes généreux. Les Africains ne sont pas généreux que les Occidentaux. Hein. On coupe ton zizi. Le blanc voit que sa part donne encore. Il dit qu'enlever ça, comme le gars là a besoin de ça pour encore faire les enfants. Oui. Coupez ma part, vous donnez, parce que ma part ne sert plus à rien. Les gens qui sont plus généreux, les Occidentaux sont généreux que les Africains. Ouais. Les gens croient que nous sommes généreux, mais non, en générosité. Imagine, une femme blanche découvre que tu as les enfants en Afrique, avec elle tu n'as qu'un seul enfant. Oui. Elle se rend compte que tu es pauvre. Elle commence à couper son argent par deux. Elle envoie à ta femme au Cameroun. Elle dit, il faut laisser ça. C'est pas les histoires qu'on parle là, c'est vrai. Quand l'homme africain commence à avoir de quoi manger, Au lieu de venir maintenant s'associer pour qu'on fasse une force, non. Il commence à te combattre. À te combattre, oui. C'est ça, pour rien. C'est ça le problème de la diaspora. Je dis que si aujourd'hui, c'est pas que je l'ai critiqué, mais je dis souvent qu'il faut qu'il revienne au bon sentiment. Non, Edieman, le E c'est femme d'être trop tard, non? Le E c'est fait trop tard. Là, tu as besoin, la porte est ouverte. Mais gars, mais c'est bien, mais c'est fait tard. Quand Mbanga Diafoua lance la cagnotte, les gens ont mis de Mbanga, les actions qu'on pose aujourd'hui par rapport même au Nozo, mais mon frère, les gens cotisent. Quand on lance la cagnotte de Mbanga Diafoua, 2 millions, 1 500 000 vient de followers. Attends, mais 1 500 000 vient de followers. Attends, tu penses que demain, là, je vais me lever pour aller. Non, comme le petit là, à l'aéroport. Le petit frère, c'est la dernière fois, il ne m'appelle plus jamais. Je ne m'appelle plus jamais. Alors, donc c'est. Comme je dis, quand je dis c'est pas tard, il faut que tu ouvres la porte parce que les gens peuvent se tromper. Attends, on a exclu quelqu'un? Non. Attends. Est-ce qu'on a exclu quelqu'un? Il y a un projet qu'on n'a pas fait. Non. Le forage, on a fait. L'école à la prison, on n'a pas fait. Les matières, on va faire. Attends, les gangs que tu as envoyés comme patin, on n'a pas donné. Les vélos pour les handicapés que tu as envoyés là. Tu l'as pas vu? N'ai pas fait le direct. Attends, on parle même quoi là? Les gangs que tu as envoyés là, est-ce qu'on va partager? Voilà, ton ami Eric a envoyé le défibrillateur là. À l'hôpital Mbanga, on n'a pas donné. Mais attendez, on parle même quoi là? On parle même quoi là? C'est pas les sorciers. Là, je te dis. Hé madame, viens! Hé! Hey. Ouais, ouais. Non, j'ai dit, j'essaie de trouver un partenariat, comme tu as dit pour l'hôpital de Mara, pour les lits. D'ici la fin d'année, on va remettre les matériels, les lits. Cette année, c'est une année de la diplomatie. Nous sommes en train de passer à autre chose. Donc bientôt, Mbanga Diaspora, on va dealer avec les ambassades. Tu vois un peu, non? Elle dit qu'on va faire les correspondances. J'ai déjà commencé. Les correspondants de l'Indonésie, Singapour, tous les consulats là, tous les chanceleries. Donc, ça veut dire quoi? Comme en Indonésie là,
on veut les dons de telles choses, laptop, on ramasse même une quantité de laptop. Même là, je l'ai dit, je voulais vous dire que si quelqu'un a quelque chose à offrir en mariage à soi, et il veut qu'on appelle son nom. Et qui veut même donner pour envoyer au Cameroun, il vient me donner. Voilà. Il expédie gratuitement. Voilà. Si quelqu'un a un don, les vêtements, les deux, un vélo handicapé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut donner. Pour offrir un mariage à soi, il me contacte, il me donne directement. Je me charge de l'expédition. Voilà, voilà notre frère. Il dit que si quelqu'un a quelque chose à remettre, mon banga diaspora. Au niveau de la France. Comme il fait dans le groupage, il fait dans les conteneurs. Oui. Vous passez par lui. Il me donne. Voilà. Que ce soit les vêtements pour les associations, pour les enfants, les dons. Parce que les gens vont te dire que non, il ne sait pas comment il va faire pour envoyer. Il me remet, je m'occupe de l'acheminement. Tu vois, non, président. C'est ça. Mbanga diaspora, moi le président, je ne vois pas la vedette de quelqu'un. Tout ce que tu fais, je te dis que voilà ça. Non, non parce que je te dis, s'il y a des gens, parce qu'il y a des gens qui ont donné les vêtements, tout ce qu'ils ont donné pour offrir. On a même fait l'association à Maran pour les dons, les appuis, pour donner. Les couches même pour donner pour la maternité de Maran, pour donner. Je prends, l'expédie gratuitement. Non, mon petit Mbanga, nous on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça, mon petit. Déjà, les commentaires, ça n'existe pas chez nous. Okay. Non, c'est un petit là. C'est un petit là, il parle, il a fait un commentaire là bizarre. Non, petit, c'est pas comme ça. Tu vois, c'est pas comme ça. Nous on veut la méritocratie. Le Cameroun va changer avec la méritocratie. Si quelqu'un a la place, on lui donne la place. Pour qu'il fasse bien. Tu fais ce qui est bien, on apprécie. On apprécie. Moi, même un gang que tu envoies, je t'apprécie. Je ne suis pas là pour dire ce que moi j'ai à faire. Non. C'est pas comme ça. Les enfants ont peur. Tous ceux qui ont envoyé quelque chose. Bon, je parle. Aimer la Kamen, non? Elle était là l'autre jour. Elle a donné les gants. Que le président donne ça pour tes gars. Mais n'est-ce pas, j'ai mis pour donner à l'hôpital. L'hôpital. Mais elle a donné à moi. Mais oui, c'est comme ça. Je ne manque pas l'argent pour acheter les gants, mais non. Tout ce qu'un gars de Mbanga, c'est comme Lalas, le footballeur là, il a envoyé les ballons. C'est comme ça. Pourquoi te présenter ce truc que tu remets à ton nom, tu dois... Là, je peux me dire que c'est à moi seul, mais je refuse ça. Je refuse. Comme ça. Non, ça c'est un bâtard, bâtard. Non, tu vas la semaine prochaine. Tu vas bâtard, femme. Tu vas prochaine. Non, petit, non. Mon niveau n'est pas au niveau d'une ville. Mon niveau n'est pas au niveau de la ville. Mon niveau, c'est le niveau du Cameroun. Voilà. Mais il ne faut pas oublier là où tu sors. Il ne faut pas oublier là où tu sors. Tu commences à faire les laves, il doit te former. Forcément là, tu danses. Parce qu'il faut créer pas de pour le marathon. Alors, parce que tu fais la publicité, tu fais la décoration. C'est pour pas que tu vas te tuer. Si pas là, tu cherches la manière d'avoir. Tu cherches là pour qu'on tu cherches le travail, non? Ici, vous allez réfléchir. Ça peut devenir ton activité. Mais c'est vrai. Que tu es manager, tu es devenu comme ça. Attends, c'est le Mbanga, non? C'est la fille de mon grand-père qui a l'envie. Donc, elle c'est un peu du c'est. Elle moi, je m'en demande. Elle, c'est ma maman qui l'a élevé. Voilà. Elle, c'est là que je suis, elle est ma mère. Ton grand, elle est partie depuis. Oui. Ton grand? Non, c'est le petit pour la maman. Elle est là quand elle fait la maison. Elle a grandi à la maison. Oui. Et elle a l'envie aussi. Tu étais là derrière. Mais c'est sa fille. Là, c'est Sonia. On dit qu'un conteneur fait combien de jours? 6 semaines. Un conteneur, c'est 6 semaines. Voilà. C'est 6 semaines à partir de la date de départ. Dès que je rentre, je vais les envoyer les flyers. On va publier la page. Je vais les envoyer les flyers. Je vais faire les flyers. Donc, mais le prochain chargement, c'est fin avril. Le prochain chargement, c'est fin avril. Oh, je suis là.
Là, là, maintenant, j'ai un début, mais pas de nom, c'est 30 euros handicapé. Tu vois? Pour envoyer plus à promettre du nom. Je l'ai trouvé en France. Il m'a. Il est venu comme si il a payé 300 euros. Il m'a dit, pas voir ça comme ça, c'est un hôpital qu'il a offert. Il a dit que. Pardon, il a dit, je voulais son nom, même de sa carte. Du nom. J'ai embarqué ses bureaux derrière. Il m'a dit qu'il a trouvé ça, mais on a offert ça gratuitement. Tu vois? S'il te plaît. Bah toi tu me donnes ça, moi toi tu es un député du Nord. Il marche pour sa communauté. Voilà, il est envoyé un chemin avec des vélos. Il fallait se battre. Comment on dit là les députés? Qu'est-ce qu'on fait pour nos communautés? Rien. Lui vient là pour chercher un partenariat. Il y a du qui peut aider sa communauté. Voilà. En réalité, il est là pour les lois, mais comme il sait qu'au Cameroun, les maires sont les bons à rien, il peut voyager. Parce que tu es député, tu es maire, tu es... Qu'est-ce que tu as fait pour ta vie? Voilà. Pendant ton mandat, tu as créé quoi? Parce qu'on appelle le bilan. Voilà. Parce que le problème, c'est qu'après 5 ans, on a travaillé comme ça. Comme toi, si aujourd'hui, dit que bon, le bilan de mariage d'espoir cette année, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? L'année passée, qu'est-ce que vous avez fait? Cette année, on a été dit que bon, cette année, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. C'est clair. Mais parce qu'on juge les gens sur le bilan, alors que. Ici, là, il n'y a pas de bilan. Tu fais comme tu veux. Le député, il vient prendre des vélos pour remettre à son village, à son hôpital. Ça ne coûte rien. C'est ça que je dis aux gens. Même un carton de lait que tu envoies. Il faut envoyer. C'est une bénédiction. C'est clair. C'est une bénédiction. Ne regardez pas le compas de personne. Regardez qu'est-ce que je fais du coup. Et là, vieux, mon combat aujourd'hui n'est plus le combat de Mbanga. J'ai dépassé le niveau là. C'est par amour que je suis là. Ah oui, c'est vrai. Les gens qui gagnent ici pour acheter, pour me dire merci, tout et tout, c'est pur. Je ne suis plus au niveau de Mbanga, je suis à l'international. Bon, maintenant, le niveau que je suis maintenant, c'est qu'il faut qu'on fasse des choses pour la ville là où chacun est né. Bon, un peu, non? Voilà, c'est clair. Mais c'est bien. Parce que aujourd'hui, même si tu restes sur le nom. Tu es fier, tu as eu quand tu veux le voir le forage là. Voilà. Quand j'arrive, je vois les gens en train de se bouger. Ils sont nombreux. De l'eau que tu. Voilà. Quand tu donnes quand même de l'eau à ta population. Mais c'est une grâce. Il y a les élus qui n'ont jamais donné une fontaine à leur population. Jamais. Les maudits. Alors qu'ils prennent derrière la population. Alors que c'est la population qui les a élus. Est-ce que nous là, qui nous a élus? Personne ne nous a élus. Alors, vous voulez quoi? Ça, j'ai dit aux gars, on est dehors, mais pensez d'où tu viens. Même les gens sont, d'autres sont bloqués là-bas. Par rapport à la situation, mais ça, c'est parce que je dis souvent, pense aussi que, est-ce que tu as fait des dons? Tu as offert quoi? À qui? Et tu as donné quoi? Voilà. Même situation administrative, les gens sont bloqués. Voilà. 10 ans, 15 ans, tu as fait des situations. Pourquoi? Pose-toi les questions. Voilà, tu as donné à qui? Est-ce que tu as passé? Tu as décanté la situation de qui toi? Même dans ton cas, tu dis que aller donner un sac de riz. Voilà. Voilà qui mange là-bas. Voilà. Pour ça, il faut le faire. Voilà. Non, grand frère, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Petit oui. Frère, en partant, voilà. Tu n'avais pas de femme, tu n'avais pas d'enfant. N'oublie pas ceux-là qui ont fait à ce que toi, tu arrives là où tu es là. Il faut penser à eux. Il y a des gens qui prient pour toi. Voilà. C'est ça. Dans la Méditerranée, là, tu ne connaissais même pas quelle femme tu devais rencontrer. Mais il y a un que tu connaissais avant de partir. Il faut penser à eux. Et la Méditerranée, tu le passes parce que tu n'es pas fort. Hein. Ah oh. Ah ouais. Les plus forts, ils tombent. Ah, ils meurent, non? C'est fort. Quand c'est ton jour, c'est ta gloire, c'est ta chance. Même Francine. Et il faut rendre grâce à ça. Même Francine Ngannou qui tape tout le monde là. Si la Méditerranée a dit que Laval, c'est qu'il est mort depuis. Hein. Mais là, Francine Ngannou, quand il va à ses origines. Non? Voilà. Il va au village. Voilà. Il fait des dieux, il fait des dons, il fait des cérémonies, il fait des trucs. Et il est connecté. Voilà, il part toujours là. Il faut jamais oublier d'où tu sors. Voilà. D'où tu sors. Déjà quoi que non, tu as la neurotique, je suis perdu avec la toile là. Ah bon? Je vais plus bien en Mbanga. Je mange. C'est l'emboutement non? Je mange bien. En fait, c'est le complexé. La misère les a traumatisés aussi. Je porte les beaux chaussures, je vais à tout et puis je me filme. Est-ce que c'est ça? Tu es arrivé, tu vas dire, je me filme, je m'habille bien. Prends les photos. Alors que tu ne sais même pas d'où tu viens, tu sors de la misère dans une maison où tu ne mangeais pas. Voilà. Rentre là-bas aussi. Où tu n'avais pas 3 repas par jour. Voilà. Quand tu arrives maintenant, tu t'habilles, tu joues le beau. Là, je suis dit que non, là où j'étais, là, il y a des gens où je sors, il y a qui ne mangeaient pas. Pourquoi?
moto, tu seras là-bas à quelle heure? Ma fille Sonia. Et la crête dans le salon. Où de haut, maintenant, elle n'a pas de temps. Tu n'as pas le temps. Comme tu es une star. Je ne sais pas là. Je ne sais pas.